À l'occasion de mon 40e anniversaire, j'ai appris que j'étais atteint de la maladie de Parkinson. C'était en 2005. Un vrai choc pour moi d'abord, mais également pour ma famille, mes amis, mes collègues. Je ne suis évidemment pas le seul. 40 000 Belges ont la maladie de Parkinson. Ça fait 1 Belge sur 283. Et 10% d'entre eux ont moins de 50 ans. En 2011, 6 ans après le diagnostic, mon épouse et moi-même avons décidé de fonder la Domusel Parkinson Charity. La maladie de Parkinson est un trouble neurologique dégénératif et incurable. Les symptômes se définissent non seulement par des tremblements, des trépidations, mais également de la raideur, des difficultés à avaler, de la dépression, des problèmes de sommeil et surtout des troubles de mouvement qui s'accentuent année après année. We willen een extra duw geven aan de meest beloftevolle projecten die tot een oplossing kunnen leiden. En dat hopelijk binnen de volgende 10 jaar. Samen met de Michael J. Fox Foundation hebben we al geïnvesteerd in 8 projecten in klinische fase, waarvan 7 in Europa en eentje in de Verenigde Staten. Pour nous, Partinamut est une organisation très active, c'est une organisation également très engagée. Elle est également axée sur le bien-être et donc elle a des valeurs très très fortes, très similaires aux nôtres. Par exemple, la responsabilité, l'efficacité, la solidarité, etc. En outre, Partinamut a un programme d'assurance pour les maladies graves, y compris la maladie de Parkinson, Hospitalia Plus. Franchement, nous ne pouvons pas rêver d'un meilleur.